Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, on charme les sabots, ça coupe parpaing, grosse cette crasse. Salut les gars, c'est Bandidon, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo snipe, les gars, mode massacre à l'Atlas. Je vais vous dire franchement, ça fait du bien. J'ai pris 5 petits jours de repos, on va dire, YouTube. J'ai un peu lâché l'affaire pendant 5 jours. Et là aujourd'hui je reviens avec le smile, la patate. Donc les gars, aujourd'hui, belle vidéo sniper Atlas. Et je vais vous dire, j'ai été vachement... Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'Atlas. C'est un beau massacre à l'Atlas, je suis en solo, en liaison satellite comme mode de jeu. Première mi-temps, je vais faire une petite série de 17. Et en deuxième mi-temps, je vais faire un enchaînement de malades que même moi, même moi j'ai halluciné à l'Atlas parce que honnêtement, je vous dis franchement, c'est une de mes premières parties. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 parties juste avant à l'Atlas. Parce qu'à la base, ce sniper, je vais vous raconter un truc. Ce sniper, franchement, il est trollé. Moi, perso, je le trouve physiquement. Quand je dis trollé, c'est physiquement. Parce qu'après, au niveau perf, franchement, il est pas mal. Là, je joue avec le Atlas Carnage. C'est celui qui a, je crois que c'était le Carnage, il me semble. Ouais, qui a plus 3, qui a plus 1 dégâts, et plus 1, je sais plus. Bref, il a que 3 balles au lieu de 4 dans le chargeur. Mais il fait vraiment, vraiment mal. Et là, je suis tombé dans un salon, honnêtement, franchement, c'était correct. Et j'ai dit, bon, il faut que j'essaye de faire un carnage pour mes abonnés. Pour, voilà, parce que l'Atlas, tout le monde m'a dit, ouais, tonton, j'avais fait un gameplay au Morse. Et j'ai quelques gameplays au Morse aussi à vous mettre prochainement. Mais je me suis dit, bon, mettre que du... Comme Black Ops 2, j'avais fait un petit peu l'erreur de mettre que du DSR aussi. Et bon, ça vous avait plu, j'avais réalisé 2 nucléaires au DSR sur Black Ops 2. Et tout le monde me disait balista, je voulais pas trop parce qu'il faisait beaucoup d'hitmarkers et tout. Et là l'Atlas, les abonnés m'ont envoyé par message privé, ils m'ont dit d'ailleurs merci à eux pour leur conseil, je me rappelle plus le nom, mais bon tu te reconnaîtras, ils ont été 2 ou 3 à me dire toi vas-y tu devrais essayer de l'Atlas. C'était sur ma vidéo snipe qui m'avait dit ça. Franchement il est pas mauvais. Alors moi au début je me suis dit bon l'Atlas, franchement physiquement quand je voyais les gammes tuer avec un gros machin comme ça frère, un bazooka gros, tu sais, t'as un chariot gros, c'est, enfin je sais pas, en gros c'est, t'as un smo frère, tu te cavales avec un smo. Quand tu vois les mecs courir avec l'Atlas sur la map, ils ont des smo frère. Et quand je l'ai pris je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est ce machin, on dirait un truc du futur, un lance-roquette ou je sais pas ce que c'est. Et honnêtement c'est vrai que physiquement il est, pour moi perso, moi c'est mon avis perso les gars, il y en a, vous allez kiffer l'Atlas et tout, moi je trouve franchement qu'il est trollé. Je trouve physiquement pour un sniper ça ressemble à rien. Mais honnêtement au niveau performance il est vraiment, il fait grave mal. Et les quickscopes et tout rentrent assez plutôt bien on va dire. Moi je suis pas encore habitué donc c'est un gameplay on va dire de découverte à l'Atlas. Franchement 53-14 c'est pas mal en solo. En plus j'ai débloqué des scores strict d'assaut comme là le Warbird voilà. Donc franchement ça fait plaisir. Alors aujourd'hui j'ai une petite question pour vous. J'espère que vous allez kiffer déjà ce gameplay, les gars, n'oubliez pas le petit j'aime pour Tonton, ça fera toujours plaisir, ça lui donne le smile et la patate. Et j'ai une petite question pour vous, j'ai envie de créer une série snipe, on va dire, vous voyez, comme certains youtubeurs ont fait des séries, par exemple Skyrose, la ruée vers l'or, la ruée vers le diamant, la ruée vers le nouveau camouflage, là, bon bref, vous m'avez compris. Et en fait, j'ai posé la question hier soir à mes abonnés sur Facebook, qui sont nombreux à me suivre, ils sont plus de 3700 maintenant à me suivre sur Facebook. Et j'ai posé une petite question, j'aurais dit, les gars, j'ai besoin de vous, je cherche un petit nom, pas très long, on va dire, quelque chose que je puisse mettre sur la vignette, vous voyez, en fait, la vignette de présentation. Par exemple, je donne un exemple, je sais pas moi, Rod to Feed, Snipidos, ils m'ont sorti plein d'exemples. Et j'ai pas été encore convaincu, donc je me suis dit, ben je vais envoyer un message à qui, là où il y a le plus de nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on est plus de 30 300. Normalement samedi je vous ferai la vidéo spéciale 30 000, parce que là j'ai pas voulu faire celle-là comme vidéo 30 000 au snipe, je préférais vous faire un petit massacre ou quelque chose comme ça, un truc de sympa pour samedi. Donc aujourd'hui je me suis dit, je vais poser la question à qui, eh ben à vous 30 000 abonnés. Je vais leur poser la question et je pense que c'est vous qui allez me sortir le titre de cette série. Donc sur cette vidéo, il n'y aura pas de titre, mais ça sera la série numéro 1. Vous trouvez n'importe quoi, ce que vous voulez, un truc original.
ce qui vous plaît, ce qui vous passe par la tête. Un truc pas très long, vous voyez, genre en deux mots, trois mots, un truc style, je sais pas moi, je sais pas, comme je vous ai dit un exemple, Road to Feed ou je sais pas moi, Violent Rush, tu vois, ou Snipe, Snipe and Rush, ou Snipe and Massacre, ou je sais pas ce que vous voulez, une série Snipe qui a un, on va dire qu'il y a un petit jeu de mots pour le snipe. Pas forcément qu'il y ait le mot snipe dedans, mais genre qui est. Je sais pas comment vous dire. Qu'on ressente que c'est que des gameplay snipe. Et avec Tonton, et voilà, on va dire. Un peu avec des massacres. Je sais pas, Road to Quad Feed, ou je sais pas. Vous voyez, je veux dire un peu Road to Feed, Road to Massacre, ou Snipey Dos, ou Tonton, ou Face Tonton. Je sais pas, les gars, ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Donc voilà, aujourd'hui, dans les commentaires, j'attends de vous que ben, vous dites déjà si le gameplay vous a plu, parce que bon, ça va, 53-14, c'est pas mal en solo. Pour en plus, je vous dis, ça faisait c'était la troisième partie que je faisais à l'Atlas. Et vous pouvez voir encore que sur certains moments, bon, je suis pas encore au point, mais ça va venir. Parce que je commence à l'apprécier. Franchement, je vous dis la vérité, j'avais dit à mes collègues de la OCB, j'avais dit l'Atlas, j'y jouerai jamais. Même à certains abonnés que j'avais rencontrés dans le réseau qui me disaient, ouais, ton cas joue au snipe, qui me disaient, ton, tu joues pas à l'Atlas et tout. J'ai dit, franchement, l'Atlas il me dégoûte. Mais au final, il est pas si mal que ça. Et là, actuellement, là où je vous parle, j'ai changé le. J'ai. Non, là c'était pas le carnage, je crois, c'était le sniper normal. Là, j'ai le carnage en ce moment et j'ai débloqué le grand chargeur dessus. Et honnêtement, ça va beaucoup mieux. Avec plus de balles, on peut plus s'enchaîner parce que là, j'étais. Le problème, c'est que voilà, il faut souvent recharger et pour faire de la feed, c'est pas évident. Là j'ai fait un petit massacre là, vous voyez, triple feed brock. Enfin, là je vais faire une petite série, franchement je vais être énervé, c'est un truc de ouf. Je vais enchaîner 10 kills assez rapidement, là, clac clac, ça y va, bim. Franchement, chaud patate le tonton là, chaud patate, et bim. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, voilà, tonton il a retrouvé le smile, il était un petit peu énervé sur la vidéo précédente, mais c'est normal, j'avais besoin de sortir mon coup de gueule et de dire ce que je pensais sur certaines personnes. Voilà, aujourd'hui je suis là, j'ai décidé de faire ma route tout seul et enfin avec vous bien sûr, motivé, j'ai décidé de regarder que moi par moi-même. Tous les prochains commentaires qui seront ultra négatifs sur mes vidéos seront supprimés comme je l'ai dit. J'ai décidé de rester qu'avec les vrais vous qui êtes là derrière votre écran, ceux qui sont heureux de me suivre et qui moi, ça me fait plaisir honnêtement de vous suivre. Donc j'espère que cette série vous plaira au snipe. Je pense que prochainement, ben, je vous ferai un gameplay au Morse ou peut-être un autre gameplay à l'Atlas. Là, j'ai quelques gameplays au Morse, mais ils sont pas exceptionnels, donc je vais essayer d'en sortir un peu plus. Après aussi, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que quand vous appelez gameplay exceptionnel au Morse, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai pas mal de gameplay, par exemple, à plus de 30 kills pour moins de 10 morts, mais est-ce que c'est correct au snipe ou je sais pas, j'ai pas trop d'avis. J'ai regardé un petit peu les chaînes bah, de mes concurrents, on va dire concurrents et amis youtubeurs, ils présentent des gameplays à des fois 30 kills au snipe, donc je vois que ça vous aimez pas mal. Donc après je sais pas est-ce que ma communauté va aimer, parce que vu qu'on est habitué que Tonton ce soit du 40-50 kills au snipe, voire plus même. Dans les commentaires, voilà, donnez-moi un titre pour la série, c'est très important pour moi. Aujourd'hui c'est une vidéo où je vous pose, j'ai besoin de vous en fait, c'est des petits renseignements pour l'avenir en fait de ma chaîne et de la série au snipe. J'ai créé une playlist sniper sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire c'est la troisième ligne, je crois, il y a marqué 100% sniper, série 100% sniper. Donc voilà, tous les gameplay sniper de tous les Call of seront mis dans cette playlist. Et en fait, j'ai besoin voilà, de deux questions. Aujourd'hui, c'est deux questions, c'est simple. La première, c'est de trouver moi une série, les gars, un nom pour cette série snipe, ça me ferait hyper plaisir. En deuxième, mettez-moi si par exemple un 30 kills ça suffit comme gameplay, si c'est du rush agressif ou si vous voulez minimum du 40-50 kills. Et en troisième, ben, bien évidemment, n'oubliez pas de me mettre un petit like et pourquoi pas un petit commentaire si le gameplay vous a plu, si ma façon de jouer au snipe à l'Atlas avec ce gros bazooka, what the fuck, ce truc qui pèse 350 tonnes et quand tu vois le mec courir dans la map, il a un truc à une main comme ça. Franchement, péter de rire ce snipe. Et je sais pas, les mecs qui ont inventé ce sniper pour le jeu, je crois que le jour où ils l'ont fait, ils étaient en fumette ou vous avez pris une cacheton ou je sais pas. Franchement, il est épique ce truc, c'est un gros truc de ouf. Enfin, je préfère quand même le morse physiquement, il est plus joli quand même, visuel à voir, ça fait vraiment sniper là, ça fait vraiment sniper du futur quand même, un truc de dingue. bon.
Il est assez maniable quand même, il est un petit peu lourd, mais bon, le morse c'est quand même plus maniable, je trouve. Moi perso, je préfère le morse quand même. Mais bon, je me suis quand même tapé une bonne barre de rire sur cette partie et j'en ai fait une autre pas mal aussi sur la map. C'était sur quoi? Sur Horizon. Hein. Je ferai des condensés aussi de parties où j'ai fait des enchaînements de malade, mais où la partie s'est pas forcément bien déroulée, mais où j'ai fait des beaux enchaînements. Je ferai des condensés de ça, un peu snipe, ou je ferai peut-être un battle si ça vous intéresse, un petit battle Atlas vs Morse. Peut-être que je ferai ça. 53-14 les gars, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Un max de likes pour Tonton. N'oubliez pas de faire un tour sur les vidéos précédentes les gars. Franchement ça fait plaisir, il y en a qui ont oublié de lâcher des likes sur les vidéos précédentes, je le sens. Et des commentaires aussi. Sur ce je vous dis bonne semaine à tous. Rendez-vous ce week-end pour la vidéo 30 000. Et sur ce je vous dis, allez ciao les gars.